concernant le handicap, qui s'appelle Colin Cap ou pas Cap avec son handicap, écrit par Sophie Adriensen. Alors, cette bande dessinée raconte l'histoire de Colin, qui est dans une école dite entre guillemets normale, mais qui a quelque chose d'un petit peu spécial, à savoir qu'elle marche mal et qu'elle est porteuse de handicap. Dans cette BD, on raconte son histoire, c'est-à-dire son passage en couveuse, l'annonce du handicap à ses parents et sa vie, et on raconte ensuite sa scolarité, à savoir les moqueries qu'elle entend et le fait qu'elle soit spéciale. Et ensuite, elle doit participer à un cross avec l'école qui se décline en deux parties, à savoir la première partie, une course de relais où elle a beaucoup de mal, et la deuxième partie, une course d'orientation où il faut trouver un totem. Alors, dans un premier temps, dans la course de relais, son équipe arrive dernière, ce qui déclenche encore les moqueries de ses camarades, et dans un deuxième temps, la course d'orientation, il faut savoir que Colin compense son handicap par une grande intelligence et donc elle a un sens de l'orientation très aigu. Et elle montre à ses camarades qu'ils ont pris le mauvais chemin et que c'est pas comme ça qu'ils arriveront à trouver le totem. Mais personne ne l'écoute jusqu'au moment où elle prend l'initiative de prendre le chemin toute seule et c'est elle qui trouve le totem et qui fait gagner son équipe. Et la BD se termine sur la fête de l'école, où on se rend compte que Colin est capable de jouer de la guitare, comme lui a appris son père, malgré son handicap. Donc qu'est-ce que ça montre pour moi? Ça montre que malgré le handicap, et malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, et malgré les moqueries qu'on peut avoir, chacun a des compétences et peut les apporter aux autres. Donc tout ça pour vous dire que il faut voir la personne avant de voir le handicap. Il faut apprendre à connaître celui qui est en face de vous et faire l'effort de savoir qui il est avant de voir son handicap physique. Par exemple, pour moi, le fauteuil, ou quelqu'un qui marche mal, ou quelqu'un qui est sourd ou aveugle. Voilà. Chacun est capable d'apporter sa pierre à l'édifice, si tant est qu'on puisse faire l'effort de reconnaître ses compétences et ses capacités.